Et salut à tous, c'est Reptkiller9. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, une nouvelle loot cave sur la Lune. Ce n'est pas commun, en effet, il n'y a pas beaucoup de loot cave sur la Lune. Et celle-ci est vraiment bien. Je ne pèse pas mes mots. C'est pour moi une des meilleures loot caves des rois corrompus, pour ne pas dire la meilleure, bon peut-être pas la meilleure, mais elle est vraiment bien, elle vaut le coup. J'ai loot pas mal d'engrammes bleus ainsi que des engrammes légendaires sur cette loot cave, donc ce qui est pas mal et c'est ce qu'on attend d'une loot cave. Donc ça se passe ici à cet endroit là. Vous avez d'un côté ici les acolytes qui ont pop de cette grotte et de l'autre côté donc trois chevaliers qui pop ici. Donc en général vous aurez des chevaliers normaux et de temps en temps un chevalier jaune, donc c'est très bien, c'est plus de chances d'avoir un loot, c'est parfait. Donc pour cette loot cave il faudra accéder à un endroit qui va être assez compliqué, donc ici, voilà ce que je montre, donc là. Donc une fois que vous y êtes, vous y serez vraiment bien, vous n'aurez pas besoin de bouger, vous aurez juste à flinguer les pop et c'est tout et ça sera parfait. Donc pour les chasseurs et les arcanistes, moi je pense qu'il vous faudra sauter donc sur ce pylône là pour ensuite aller sur ce bout là et monter là-haut. Moi je passe directement ici, j'ai un titan, donc hop, mais je pense que vous pourrez aussi, je n'ai pas essayé, ça doit être moyen, et hop, vous montez ici, voilà. Arrivé ici, donc vous sautez sur la gauche, tac, et vous montez encore plus haut. Voilà, alors ici il faudra accéder donc sur le petit bout, la petite rambarde en fer, donc c'est pas facile. Sur ce coup là j'ai essayé à plusieurs reprises, la fois suivante j'ai réussi quasiment du premier coup, je dis bien quasiment parce que c'est pas le cas. Donc c'est pas simple, mais après un peu, quelques essais vous allez y arriver, hein, parce qu'on est au bout de carte, donc voilà. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé donc en haut, donc vous voyez c'est pas facile, il faut remonter là dessus, tac, ah, loupé, et là normalement je vais y arriver, j'y suis presque, et voilà, je pense que c'est la bonne, et ben non, même pas, et ben on ressaute, c'est reparti. Vous voyez, j'avais quand même pas mal essayé, hein. La deuxième fois que j'y suis retourné, j'ai réussi quasiment du premier coup, comme je vous ai dit, et là vous voyez comment je galère comme un porc. Donc voilà, là je suis dessus, ça y est, enfin, donc vous avez donc les chevaliers sur la gauche, voilà, vous en avez toujours 3, de temps en temps parmi les 3 il y a un jaune, donc c'est parfait. Vous les butez, tac tac, et à droite donc ici vous avez les acolytes donc qui pop de la caverne, vous voyez là, donc ils pop pas tout le temps par contre, vous verrez des moments ils vont pas sortir, mais en général c'est quand il y a un event dans le coin ou quand il y a les corrompus qui pop dans le coin, des choses comme ça, ou tout simplement quand il en reste encore un en vie, parce que souvent il y en a un qui va se cacher derrière là où j'ai jeté ma grenade, vous voyez ici à cet endroit là, voilà, là je l'ai eu, vous voyez, et vous pouvez pas l'avoir d'ici, donc il faut que vous essayez de l'avoir à la grenade ou alors on lance requête et c'est parfait. Voilà, donc à chaque fois c'est pareil, vous venez tuer les chevaliers de ce côté là et les accueillir de l'autre, et vous voyez je n'ai pas besoin de bouger de ma place, je suis là, je suis bien et c'est parfait, hein. Je sais pas, on va dire vous restez là 10-15 minutes et vous avez vraiment un beau paquet d'engrammes à gauche au niveau des chevaliers et quelques-uns aussi au niveau des acolytes. Donc franchement vous avez pas mal de choses, ça vaut vraiment le coup. C'est une très bonne loot cave, hein, selon moi. Vous voyez, hop, là je l'ai eu au lance-roquette tout simplement. Et là, regarde, celui-là il bouge pas, boum, à chaque fois une petite balle dans la tête, et hop, on prend le gun, on tue les autres, on tue les 3 snipers, on peut s'amuser, écoutez, voilà, on a du temps à perdre, on fait un peu de loot cave, on farme des objets, on monte le cryptarch, on cherche du légendaire, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est une très bonne loot cave, je le redis, elle vaut le coup, essayez-la. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous laisse regarder la suite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Reptkiller9 sur PSN, PS4. Bye bye.